la fois énormément de stress parce qu'on attend tout de ce partant. Il concrétise tout le mal qu'on s'est donné pour arriver jusqu'à ce stade. Donc on attend beaucoup et en même temps on se dit bon ben c'est pas grave, sinon si ça ne fonctionne pas, on recommencera. Quand Luke de Vega a gagné à Longchamp, là on a commencé à se projeter vers une carrière à un niveau supérieur, c'est-à-dire les classiques. On a commencé à croire qu'on pouvait déjà y participer. Et c'est l'entraînement qui a prouvé qu'il avait la résistance pour arriver à ce niveau-là. Donc on a engagé, et plus l'entraînement avançait, et plus on pensait qu'il avait la capacité de le faire. Ça, c'est très gratifiant.